Merci de nous rejoindre pour cette session. Dans ce talk, ma collègue et moi, on va se positionner un peu à distance des retours d'expérience ou des histoires depuis les tranchées que vous pouvez raconter. Ce qu'on va vous proposer, c'est une petite expérimentation. On va se mettre à deux. On n'a pas forcément l'habitude de bosser ensemble. On est sur deux domaines un peu distincts, mais on va se mettre ensemble pour essayer de construire une pipeline de traitement dont l'objectif sera de réaliser des prédictions de manière continue, voire en temps réel. Et pour planter le décor de cette idée, comment ça nous est venu, je vais laisser Julia démarrer. Bonjour à tous. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que pour cette Xebicon, Loïc et moi, on a créé une petite boîte qui gère tous les taxis de New York. Elle s'appelle la Gelo. On n'a pas Taxi & Co. On n'a pas été très original dans le nommage. On a pris juste notre trigramme et puis on a pu faire un petit clin d'œil à Jennifer Lopez, notre chanteuse préférée, surtout la sienne d'ailleurs. Moi je suis data scientist à Xebia. Pour la Xebicon, je suis aussi data scientist de la Gelo Taxi & Co. Et donc, Gelo, qui comme toute boîte branchée, aujourd'hui, possède une app. L'app qui vous permet de commander un taxi, de payer directement dans l'app. Et ensuite, nous, ça nous permet de collecter quelques données au passage, bien sûr, RGPD compliant. En tant que data scientist à la Gelo, je suis menée à développer des use cases où j'utilise du machine learning pour, par exemple, faire le meilleur ciblage du campagne marketing ou alors encore améliorer le parcours utilisateur d'un app. Aujourd'hui, le use case qu'on veut traiter, c'est celui de prédire la durée d'un trajet. Donc, vous vous loguez dans l'app, vous me donnez le point de départ, le point d'arrivée souhaité, le nombre de passagers, et l'idée, c'est de vous dire tout de suite combien de temps cette course va prendre. Maintenant, pour bien comprendre les défis qu'on a rencontrés pour développer tout ça, on va reprendre un tout petit peu les bases de data science. Donc, pour commencer, on parle d'inférence en batch. C'est ce que je suis habituée à faire. Donc, à partir d'un jeu de données où j'ai l'historique de toutes les courses de taxi, je vais entraîner un modèle. Selon le cas d'usage, j'utilise un modèle ou un autre. L'important, c'est que le processus d'entraînement me donne un objet qui est un modèle entraîné. Ce modèle me sert pour faire des prédictions. Donc, on a tout un tas de nouvelles données qui arrivent, on fait la prédiction en mode batch. Pour ce cas d'usage spécifique, l'estimation de la durée d'un trajet, par contre, ce n'est pas exactement la même chose. Je vais sortir de ma zone de confort parce que je n'ai pas de batch de données qui arrivent sur lesquelles je vais créer une prédiction. J'ai un utilisateur à la fois qui va se connecter dans l'app, va commander un taxi, eh bien, il faut que je lui donne une prédiction tout de suite, pendant qu'il est dans l'app. Mais c'est là que je vais avoir besoin de l'aide de mon collègue data ingénieur, Loïc, ici présent. Parce qu'en fait, je n'ai pas l'habitude de mettre en place ce genre de pipeline. Et donc, lui, il va pouvoir m'aider, j'espère, à construire cette pipeline, à me décrire la solution technique et à la mettre en place. Donc, on a mis le cadre. Maintenant, on va pouvoir dérouler le reste de la présentation. Et je laisse Loïc continuer. Merci, Julia. Et effectivement, comme elle disait, je n'ai pas forcément exactement le même profil qu'elle. Moi, je suis sur la partie data engineering. Il ne faut pas me parler de data science ou de machine learning. La dernière fois qu'on m'a dit régression, j'ai répondu, c'est pas faux. Par contre, les concepts dont elle a parlé, tout ce qui va être cette demande pour des applications event stream, c'est quelque chose que je vois au sein de mon métier, de ma profession, une tendance qui vient à considérer les événements comme ce qu'ils sont et les traiter dans ce qu'on va appeler des plateformes de streaming, des stream data platforms, des bus de messages qui seront centralisés avec des applications qui gravitent autour. Et l'idée dans ce concept, si on part de cette idée-là et qu'on se dit que Julia travaille dans cette entreprise Taxi & Co et qu'elle veut réaliser cette prédiction, j'aimerais qu'elle adopte ce pattern, qu'elle sorte d'un contexte qu'on voit très classiquement où ces données sont exportées, descendues dans des bases de données, retraitées manuellement, parfois exportées pour arriver dans un data lake, là où elle peut faire ses batchs habituellement, et plutôt la placer à ce niveau, au plus près
de l'arrivée des données, au plus près des données quand elles arrivent dans le système d'information, pour qu'elles puissent réaliser ces prédictions, mais également profiter des autres flux qui y sont colocalisés. Donc, pour arriver là, nous, un petit disclaimer sur tout ce qui va être technologique. Pour refaire cet exercice, on a pris des choix sur les technos qu'on voulait utiliser, sur les technos sur lesquels on voulait continuer à apprendre. Ce qui va nous intéresser derrière, c'est plutôt les concepts. C'est-à-dire, quelles sont les grandes idées qui vont nous permettre de mettre en place cette pipeline. Et si on arrive à dégager les grandes idées, que vous voyez comment les refaire avec vos technos, vos infras, vos contextes, alors on aura gagné. En plus des technologies, on va mettre des contraintes. Il va y avoir pas mal de contraintes. La première contrainte, Julien en a parlé, l'exercice supervisé, puisqu'à l'arrivée à la fin d'un trajet, on sait combien de temps il a duré, on a cette réponse. Les données transitent de manière événementielle, ils sont dans des topics Kafka. Et une contrainte que je vais m'imposer en plus, c'est que le code machine learning ne doit pas être réécrit. Je ne passe pas derrière ma collègue pour refaire son travail, je collabore réellement avec elle. Nos deux grands goals qu'on va essayer de garder en tête, c'est de réduire tout ce qui va être appel synchrone et toutes les tâches bloquantes et manuelles. Si on remappe tout ça sur un seul schéma, on a une grande idée comme ça. Mes flux, mes événements, mes interrogations qui passent par des topics Kafka. Moi, je vais utiliser une application qui a une forte intégration avec ce bus de messages, une application Kafka Streams, et je vais vouloir intégrer d'une manière le modèle utilisé par Julia. Et dans l'idéal, dans le cas idéal, c'est que je suis aux côtés de cette plateforme de streaming qui m'offre d'autres flux. Je vais pouvoir faire l'acquisition directement du flux d'arrivée des taxis et regarder au plus vite l'écart entre ce qu'elle a prédit et le trajet réel. OK, donc on a les grandes idées, on va partir. Je vais commencer à parler de tout ce qui va être environnement de travail. On démarre, pendant que Julia analyse les données et qu'elle les regarde, moi je vais plancher sur le projet, je lui propose qu'on travaille dans le même projet, un projet multimodule, je vais faire un projet Gradle, dans lequel j'aurai mes applications Kafka Streams, j'aurai des plugins et des choses pour créer des environnements virtuels, parce que je sais que tu travailles avec Python, c'est bien ça? J'aime bien. Donc j'aurai tout ça, elle aura des plugins pour travailler comme elle a l'habitude de le faire, et en plus de ça, quelque chose qui peut être sujet à débat, c'est la présence de carrément l'infrastructure au sein même du projet. Donc, on a tout ça, je vais pouvoir démarrer. On parle d'infrastructure. Je vais commencer à poser également les premières briques qui vont me permettre d'accéder à ces événements. On part dans le cloud pour réaliser l'expérience et je ne vais pas attendre. La première chose qu'il me faut, c'est un bus d'événements. Je vais directement faire appel à une file as a service, un Kafka as a service qui va me permettre d'avoir l'infra qu'il faut pour avoir les topics Kafka dont j'ai besoin. Après, toutes les applications que je vais déployer seront sous forme d'images. Je vais les packager sous des images et je vais les faire tourner, les orchestrer par un orchestrateur d'images classique. Ici, on est parti sur GCP, donc ce sera un GKE. Maintenant, on a les premières briques et on va parler des données. Le jeu de données, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un jeu de données très classique sur Kaggle de trajet de taxi. La question, c'est qu'il existe déjà. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur des données en mouvement? Le premier exercice qui devra être fait, c'est de se constituer une appli de replay qui puisse reconstituer un flux. Un exercice un peu classique qu'on voit sur les applications Event Stream, pas nécessairement machine learning, mais je vais vouloir avoir la possibilité de rejouer une journée au débit auquel elle s'est effectuée. Du coup, je vais avoir cette application qui est capable de me relire une journée de trajet de taxi entière et de me reproduire un flux qui va au même débit avec les mêmes informations que ce que j'avais à l'origine, à la date. Ça me permet d'avoir toujours ce flux pour s'intégrer et pour y confronter les applis et les modèles qu'on va travailler ensemble. Très bien. Donc du coup, cette appli elle va vivre aussi dans ce même orchestrateur. Et derrière, je vais ajouter des petites choses. J'ai un petit peu l'habitude de cet exercice. Du coup, je vais rajouter des briques qui seront nécessaires à Julia. Je vais rajouter des machines qui vont me servir de connecteurs. Déverser les flux dans des bases de données que Julia pourra requêter a posteriori pour tout simplement avoir les données qu'elle a prédites. Je vais également mettre tout ce qui va être interface et requêtage de manière interactive pour avoir ces flux, pour avoir une vision un peu plus concrète de ces flux. Et enfin, derrière, je vais mettre l'infra, parce que ça va être une partie du projet, hein, comment on déploie ce modèle et comment on gère notre projet. Je vais mettre en place l'infra qui sera toute la CI qui nous servira à construire le projet. Et maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour commencer à produire le code qui va créer le modèle. Donc là, je commence à explorer mes données, etc. Et voilà, et tout de suite dans la CI. Je suis prête pour y aller, nickel, sans souci. Il faut une usine logicielle.
Ouais, en petite exploration, genre, tu vois, on aime bien faire nos... J'ai entendu parler de ça, c'est book... C'est les notebooks, ça oui, voilà. Un peu. Donc, alors, voilà, ça. Merci. Ils utilisent ce genre de choses, il faut que je me rappelle. Du coup, il va y avoir toute une tâche interactive d'analyse de données que nous, on veut aussi intégrer. Du coup, le projet, il intègre tout un tas de feuilles interactives et avec GCP, ce que je vais pouvoir, c'est provisionner l'infra qui va bien. Et elle va ajouter également ses notebooks ou du moins en faire un lien dans le projet. Là, on a tout. On a tout, là. Okay. C'est bien, on est prêt à partir. Et donc, après qu'on a vu toute cette infrastructure, on peut commencer à parler du modèle. Bien évidemment, il n'y a pas de modèle sans données, et du coup, en fait, on va commencer par les données. Le jeu de données, c'est le jeu de données public sur les taxis, les trajets en taxi à New York. Dans cette base, j'ai à disposition des données liées au point de départ et au point d'arrivée, le timestamp et la zone. Et ensuite, j'ai tout un tas de variables liées au trajet en soi. Donc, la trip duration, ça, c'est la variable à prédire. Voilà, qui est disponible, et le nombre de passagers. Ensuite, j'ai un tas de variables très intéressantes, genre la trip distance, c'est très bien, je pourrais l'utiliser pour prédire mon temps de trajet. Sauf qu'en fait, quand vous êtes dans l'app, vous allez me donner uniquement le point de départ, le point d'arrivée et le nombre de passagers. Je ne veux pas pouvoir connaître en amont le temps, la distance. Donc en fait, ce n'est pas de données que je peux utiliser à la prédiction. Voici les zones. New York a été découpée en 260 zones à peu près. Ça fait du coup des variables catégorielles. Maintenant, je peux passer au feature engineering. J'ai découpé un peu les quatre variables que j'avais à disposition. J'ai récupéré le jour de la semaine, l'heure de la journée, pour essayer de capter un peu la saisonnalité des événements. Et j'ai bien évidemment la zone de départ et la zone d'arrivée. Ça, c'est des variables catégorielles que j'ai, one not encoded, et que je vais appeler wide features, parce qu'elles sont très sparses. Les mêmes variables, une fois qu'elles ont été one not encoded, je les ai aussi embedded pour essayer de créer une variable dense continue, des variables denses continues, ce que je vais appeler deep features, et j'ai rajouté aussi le nombre de passagers. Ça tombe bien, je les ai appelés comme ça parce qu'en fait, ça va me permettre de faire de wide and deep learning. En fait, j'ai utilisé l'API TensorFlow, l'API estimateur de TensorFlow. La partie linéaire du modèle va savoir gérer les données sparses. La partie deep learning va savoir gérer les données continues. Et donc, on va prendre le meilleur de deux mondes. Je ne suis pas un expert, mais ça m'a l'air quand même vachement complexe. Oui, en fait, tu sais, je savais que je n'allais pas gagner le Nobel pour le machine learning avec ce jeu de données. D'accord. Du coup, je me suis dit, autant tenter un modèle un peu foufou. En plus, peut-être que les gens dans la salle vont pouvoir se projeter mieux avec les modèles de ouf qu'ils ont chez eux. OK. Donc, ça peut, c'est quelque chose qui va pouvoir se généraliser. OK. Plutôt comme ça, oui. Donc, pour développer, après entraîner le modèle, etc., j'ai à disposition 85 millions de données d'entraînement. Donc, ça justifie quand même l'utilisation de GCP pour exploiter la puissance du cloud. J'ai à disposition le service AI Platform. Ça fait un peu une plateforme data science, en fait, parce qu'à l'intérieur, j'ai les services qui vont me permettre de faire de l'exploration, notamment les notebooks. J'ai aussi la possibilité du coup, de lancer les entraînements remote, la prédiction remote, faire de l'hyperparameter tuning, et ensuite, je vais pouvoir aussi tester la prédiction en déployant le modèle. C'est plutôt c'est quelque chose que j'utilisais plutôt pour tester, parce qu'en fait, le fait d'exposer le modèle dans une API REST à requêter, c'est justement le genre de choses qu'on voulait éviter dans ce cas d'usage. Donc, voilà. Maintenant, après une fois avoir fait l'exploration, il faut, pour pouvoir exploiter vraiment la puissance de GCP, organiser le code de la manière suivante. Donc c'est un package dans lequel on a le sous-package trainer, et on va voir tout de suite les deux modules qui font partie de ce package. Donc tout d'abord, le task.py. C'est le main, c'est le point d'entrée pour entraîner le modèle. À l'intérieur, on va faire tout d'abord un parsing de paramètres, deux paramètres qui vont servir à GCP et des paramètres qui sont plus liés à l'entraînement du modèle.
Ensuite, on va passer les modèles, les paramètres au script suivant qu'on va voir, le modèle .pi. Et la dernière chose à faire, c'est train and evaluate, donc faire l'appel à la fonction qui va effectivement lancer l'entraînement. Cette fonction se trouve dans le module model.pi. Donc, à l'intérieur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère les paramètres instanciés tout à l'heure. Et il a à l'intérieur toute une série de fonctions. La première, c'est celle qui va servir à lire le jeu de données d'entraînement. Ensuite, la partie feature engineering, hein, donc là, elle s'appelle get wide and deep. Troisième fonction, lecture de données pour le serving. Et ensuite, vraiment l'appel à la définition du train and evaluate. C'est là, dans cette fonction, qu'on va définir le modèle, l'architecture de modèle qu'on veut entraîner. Ici, j'ai utilisé un modèle préparé de TensorFlow. Et voilà, et ensuite, on peut appeler vraiment l'entraînement. Toute cette structure de code, après, va servir pour lancer la commande qui soumet un job d'entraînement. Donc, on va définir là les paramètres et ensuite on lance la commande gcloud, etc. Ça c'est pour l'entraînement, mais c'est similaire pour la prédiction. On passe d'abord les paramètres liés à GCP, au fonctionnement de GCP. Ensuite, avec cette syntaxe, on sépare et on passe là tous les paramètres liés vraiment à l'entraînement du modèle. Une fois que tout ça est prêt. T'es prête ? Je suis prête. Mise à feu, du coup ? Super. J'espère. Donc, maintenant qu'elle a itéré sur ses données et qu'elle a appris des choses, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir le déployer, le mettre en place. Je vous parlais de mes applications tout à l'heure, mes applications JVM, mes applications Java qui sont orchestrées dans le cloud. Elles vont vivre et c'est à elles que je veux donner accès à ce que Julia vous a présenté, son modèle entraîné. Donc, un autre bienfait qui nous vient de TensorFlow, pour le coup, c'est le binding Java. Je vais m'appuyer sur les dépendances TensorFlow qui vont me permettre de manipuler les classes et de comprendre ce qui aura été sérialisé par Julia, ce qui aura été stocké en termes de modèle. Parlons-en. L'output de tout ce que vous a montré Julia tout à l'heure vous donne un petit dossier comme celui-ci. Un petit dossier avec un fichier saved modèle qui porte le même nom que le format, et un dossier à côté avec un ensemble de poids qui ont été appris par son entraînement. L'idée, c'est que je vais vouloir récupérer tout ça dans mes applications. Comment je vais leur donner accès à l'ensemble de tout ça? C'est via l'envoi d'un message. Ce que je vais vouloir, c'est créer un petit script, une petite application, un petit processus capable de charger tout ça et de me les mettre. Comment je vais les mettre? Mes applications, a priori, ont un accès privilégié au topic Kafka. Je vais pouvoir publier ce modèle dans un topic, potentiellement. L'idée derrière de créer cette petite application, c'est bien de l'automatiser. Avec un nom de topic, une version de modèle et un chemin vers le modèle qui a été entraîné, je vais vouloir publier ce qui a été appris. Derrière, l'idée de cette automatisation, c'est de l'ajouter à un processus de build logiciel. Je voudrais intégrer tout ça à une CI et ramener l'exercice, les tâches machine learning au cœur finalement de la construction de mon logiciel. Arrêter de décorréler tout ce qui va être build logiciel, ce qui fait tourner mon application, et les tâches d'entraînement. À partir de ça, je vais avoir deux streams à considérer. Non pas seulement les input records sur lesquels je veux réaliser des prédictions, mais également un flux, un stream d'input modèle. Les upgrades de mes modèles, je vais les recevoir via un flux continu. Et donc, du coup, l'action de fin d'entraînement est un événement. Et comme c'est un événement, il va dans mon bus d'entreprise. Top. Donc on se construit les petites images qui embarquent le code dont je vous ai parlé, capables de recharger un modèle. Ces idées, je ne les ai pas inventées, j'invente pas encore grand-chose. Je suis fortement inspiré d'une approche qui est détaillée dans Serving Machine Learning Models, qui propose d'implémenter ces deux streams pour servir des modèles de machine learning. Si on remappe ça sur nos contextes et sur les outils qu'on s'est imposés, on a la chose suivante. Les modèles de Julia sont stockés dans Cloud Storage à la fin des entraînements, intégration avec AI Platform. Derrière, lorsqu'elle aura décidé que son modèle correct, elle va pouvoir continuer le stage de CI qui est en cours et publier ses modèles dans un flux. Moi, derrière, j'ai la possibilité de l'intégrer au process de désérialisation de
mon application et j'ai accès à un fast key value store qui va me permettre de requêter, sélectionner le modèle adéquat pour réaliser ma prédiction. Top. Si on regarde la pipeline en entier, ce qu'on aura, c'est des premiers stages classiques de continuous intégration. On va tester, packager l'ensemble de mon logiciel. Donc là, c'est notre projet entier. Donc tous les modules sont faits ensemble. On est daté. Donc on a une release continue avec la date et le commit pour revenir au code qui a été utilisé pour réaliser l'entraînement. Par la suite, entraînement de manière automatique. Je vais soumettre la commande, et c'est là que la commande devient importante. La commande que Julia vous a montrée, je vais la soumettre. Et attendre bien l'entraînement de ce modèle. A posteriori, parce que Julia va vouloir l'analyser peut-être avant de le mettre en ligne, un petit peu. Ça serait bien. Je vais avoir un stage manuel qui lui permet de publier ce modèle dans Kafka. Derrière, je vais numéroter les entraînements, ce qui va me permettre de toujours pouvoir revenir à une version du modèle, les paramètres qui ont servi à l'entraîner et le code qui a servi à le générer. Sur chaque prédiction, c'est la prédiction continue, je vais taguer avec le modèle qui a été utilisé. Bon, on est parti. J'ai dit mise à feu tout à l'heure, donc on est en ligne. On parle un petit peu de ce qui se passe. Oui, très bien. Donc, pour l'analyse des performances du modèle, j'ai bien évidemment utilisé TensorBoard. Il met à disposition le graphe. Donc là, l'idée, c'est qu'on voit, j'espère, la break linéaire et la break deep learning. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces graphes, mais ce qui est important à retenir, c'est que le graphe est généré automatiquement par TensorFlow et c'est Loïc qui va être capable de le parser pour servir le modèle ensuite. Ensuite, j'ai à disposition tous les graphes classiques TensorBoard. Donc, j'ai pu faire mon exploration, choisir le modèle que je préférais, en l'occurrence le meilleur en performance. Et en fait, toute la procédure que Loïc vous a montrée de pipeline de CI, ça ne m'a pas du tout gêné pour analyser, pour faire mes explorations et monitorer l'entraînement du modèle. OK. Du coup, une fois en ligne maintenant, si on remap ça, si je fais un wrap-up du process, j'ai les input events qui m'arrivent dans des Kafka topics et je vous ai parlé d'une première application qui a chargé le modèle de Julia prête à réaliser des prédictions. À la fin des trajets, j'ai un deuxième flux d'arrivée et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir construire une application avec une deuxième application Kafka Streams avec Julia à quatre mains qui fait la jointure entre les arrivées pour essayer de déterminer quel est le temps actuel du trajet. Et on va pouvoir implémenter des métriques de coût. On va implémenter des métriques de coût qui lui plaisent. On va implémenter la métrique de coût potentiellement qu'elle a utilisée pour déjà faire l'entraînement. Ça peut être intéressant. Et on va pouvoir en rajouter. Derrière, ce qui va être émis par ces applications-là sera publié dans un topic. Et potentiellement, cet événement pourra générer d'autres événements. On est parti d'un premier stage qui était considérer la publication de modèle comme un événement et le publier. On arrive à ce modèle qui, dans son activité, produit des événements. Je pense qu'on a justifié le titre de conf, Event Driven Machine Learning. Les petits goodies Kafka Streams, c'est que derrière, cette application, elle émet des métriques techniques. Je vais pouvoir y joindre toutes les métriques que je veux. Je vais pouvoir avoir mes custom métriques et rajouter des métriques plus métiers. Typiquement, avec tout ce qui va être débit, le flux de continu de trajet qui m'arrive, je vais pouvoir rajouter des petites fenêtres de RMS typiquement et compter au cours du temps à quelle vitesse monte ma RMSE. On peut commencer à imaginer au-dessus de certains seuils pouvoir déclencher des alertes et même potentiellement pouvoir déclencher un réentraînement de modèle. On arrive sur la fin ? On arrive sur la fin, on est prêt à conclure. Oui, le fait de travailler avec AI Platform, c'est ce qui a permis de passer assez facilement de l'exploration au code packagé et aussi ce qui a permis de lancer des entraînements et des analyses de façon reproductible. Donc une fois que j'ai mon code packagé, j'ai juste à changer un peu les paramètres pour voir l'évolution de performance. Mais globalement, le code est toujours là et il ne va pas bouger tout seul.
Ensuite, j'ai touché un mot à ça tout à l'heure, le graphe TensorFlow, c'est celui qui nous a permis vraiment de collaborer entre nous. C'était notre interface. Moi, j'ai codé le modèle, le graphe est créé automatiquement, et après, Loïc, il l'a parsé. Donc, limite, on n'avait pas besoin de parler pour que Loïc serve le modèle, limite. Mais en vrai, oui. Ensuite, c'est... Oui, donc toujours sur le graphe, c'est cette standardisation de tout ce qui est sérialisation qui est en train de se populariser sur les différentes librairies en machine learning, c'est elle aussi qui nous permet de considérer le modèle comme un événement et de le publier. En face de ça, elle parlait des input tensors que prend le graphe. En face de ça, sur tout ce qui est partie streaming, on va avoir un schema registry qui lui donne le schéma des flux d'entrée sur lesquels elle peut commencer à travailler. Donc on a une double interface sur ces concepts-là. En plus de tout ce qui va être publication d'un événement, on a la forte intégration de notre librairie qui, lui, va intégrer le chargement du modèle à son stage à son étape de désérialisation des événements. Derrière, ces modèles-là, ils subissent exactement les mêmes sécurités que tout ce qui va être donné. Je vais avoir un topic de changelog dans lequel je backup mes états. Je vais backuper mes états au sein même de Kafka. Et je vais avoir un fast key value store, un RocksDB qui, in memory, me retient mes états, me retient mes modèles. Voilà pour les quelques concepts qu'on a dégagés. Derrière, il y a encore énormément de choses qu'on a vu mais pas abordé, et de choses même qu'on n'a pas pu encore explorer. Il y a tout un tas de questions qui se posent, des choses comme qu'est-ce que je vais faire lorsque mon modèle lui est trop gros pour passer dans ces topics, qu'est-ce que je vais faire d'un point de vue intégration. On pourrait imaginer des stages d'intégration en plus, avoir un stage de mon application qui s'intègre avec le modèle de Julia pour une vérification technique. On peut penser à des questions de tracing. J'ai plusieurs modèles qui sont en place. Je veux pouvoir tracer finalement quel temps je peux associer à chaque modèle, quelle latence je peux associer à chaque modèle. Des questions sur l'A/B testing, le processing en amont. Plein d'autres questions qui nous restent encore à parcourir et qui nous motivent à continuer sur ce sujet. Une des questions que je voulais souligner et qui sera le prolongement, pour le coup, c'est, je parlais d'un événement de réentraînement, un événement qui déclenche un réentraînement. La question qui nous a motivé à nous lancer dessus et qui continuera à nous intéresser, c'est, eh bien, à partir de là, certes, j'ai cette métrique qui évolue, comment est-ce que je vais pondérer un réentraînement? Comment est-ce que je vais rajouter de nouvelles données dans cet entraînement qui est déclenché par une performance trop basse? Autant de questions qui se posent toujours, et dont on a les premières briques pour commencer à attaquer tous ces sujets, qui nous vont nous motiver à poursuivre et qui, on espère, vous motiveront à faire des choses géniales sur vos sujets, avec vos contextes et vos outils. En attendant qu'on puisse les voir, on vous remercie de nous avoir accompagnés.